François Hollande affiche son enthousiasme et son optimisme. « Nous allons gagner l'élection présidentielle », a-t-il déclaré lors de son premier meeting post-premier tour. C'était dans le Finistère, à Quimper. C'est là où le candidat socialiste à la présidentielle française est allé s'adresser à ses partisans. Nous avons donc rempli le premier objectif. C'était d'arriver premier. Nous y sommes. C'est exact que la gauche est à son plus haut niveau depuis très longtemps, 44%. Mais faites vos comptes, 44% ça ne fait pas 50 et des poussières. Et donc nous avons besoin de rassembler, la gauche, toute la gauche. À Paris, c'est la cohue devant le QG de campagne de François Hollande. Dès qu'un proche de l'aspirant président passe par là, le mot d'ordre est clair, il faut rassembler le plus possible. Écoutez Martine Aubry. Qu'ils se soient abstenus. Tous ceux qui se sont abstenus ou ont voté, ou pour nous, ou pour Front National, mais qui ont peur, qui sont humiliés par ce qu'ils ont vécu depuis 5 ans, leur dire c'est le retour de la République et le seul qui propose ce redressement, eh bien c'est François Hollande. Le candidat PS veut se mettre à l'écoute de tous les Français, y compris les électeurs du Front National. Marine Le Pen, en effet, a réalisé un score inédit de 17,9% des voix.